Comme tous les ans depuis plusieurs années, le prince Harry et maintenant sa femme, Meghan Markle, participent aux Wiltshire Awards, une soirée qui permet de collecter des fonds en faveur de l'organisme de bienfaisance qui fournit des soins pour les enfants gravement malades et les jeunes du Royaume-Uni. Lors de son traditionnel discours, le prince Harry n'est pas parvenu à retenir ses larmes, mardi 15 octobre 2019, comme le rapporte le site britannique Hello. Il a raconté que l'année dernière, lors de cette même soirée, seul lui et sa femme savaient qu'il attendait un heureux événement. Personne d'autre ne le savait à ce moment-là, a assuré le jeune père de famille visiblement très ému. Après un moment de silence, Harry a repris, « Je me souviens d'avoir serré la main de Meghan pendant les récompenses. Nous pensions tous les deux que ce serait génial d'être un jour parent, et plus encore, que ce serait formidable de pouvoir aider et protéger notre enfant. Et maintenant que je suis père, être ici et parler à chacun d'entre vous me va droit au cœur. Je ne pensais pas pouvoir ressentir une telle chose avant d'avoir un enfant à moi, a-t-il encore raconté la voix tremblante. À la rencontre des enfants malades juste avant la cérémonie de remise annuelle des Wiltshire Awards, le couple princier avait été à la rencontre de certains de jeunes enfants souffrant des maladies graves, et de leurs proches et ceux qui les soutiennent. Pour l'occasion, la duchesse de Sussex avait choisi de remettre la robe qu'elle portait le jour de ses fiançailles.